c'est tout, on se retrouve pour ce 11e épisode de Ori and the Blind Forest. La dernière fois c'était méga close, on avait failli au moins plusieurs fois. Ouf, on trouve un luxuriant couverte de glace aujourd'hui. What the fuck. C'est juste devant un dialogue, hein. Donc on se retrouve sur le 11e épisode de Ori and the Blind Forest. Je retourne allez 3-4 heures après le 10e. Ceux qui les ont pas fui l'ont payé de leur vie. Ah, c'est ici le temple. D'entre des moines explorés, c'est là que les Goumons avaient élu. Domicile. Pour y pénétrer, il nous faut d'abord trouver le sceau des Goumons et traverser les bois brumeux. D'accord. Donc je suis au temple, hein. C'est là les bois brumeux. Oh, Mary Portum. Oh my god. En fait, je suis en retard. Ok, donc il y a rien en dessous. Très bien, nous devons se retaper les pratiques. Oui, oui, moi aussi je t'aime. Oui, ceux qui sont. Ceux qui. Oui, bon, c'est ça, vas-y, c'est. Oui, oui, oui. Voilà! Donc, du coup, faut que tout qu'on remonte. Pourquoi j'avais raté mon jump? Chier. Merde, je suis tombé. Oh, mais c'est bon. C'est le compétence en dessous. C'est gratuit. Voilà, du coup, on va là. Et donc, du coup, il va falloir qu'on remonte tout. Pourquoi non? Oh, il va falloir tout remonter derrière. Pas possible. Donc en fait on est au temple alors qu'on aurait dû aller récupérer le sceau avant. Plutôt aller récupérer ça. Hop là. Jusqu'à FC tranquillement, bien gentiment. Du coup, on va nager infiniment. Voilà, j'ai enfin appris à respirer, à Ori de respirer sous l'eau. Et on se souvient. Donc, du coup, il se passe quoi ici? Ok, donc c'est une sorte de raccourci. Ah non, pas du tout raccourci. À faire. Oh les amis, ça va être long. Tout remonter. Juste à faire une ellipse. Juste à faire une ellipse, tellement ça va être long de remonter. Parce que vous vous rendez pas compte, on est là. Il faut qu'on remonte là. Mais tout ça à monter, ça va être un peu chaud et long. Donc j'ai ces machins là qui font OS. Vas-y, viens. Bon. On a clairement
droite. On va sauvegarder ici. Putain, rappelez-vous ici, c'est vers là. C'est ici qu'on a trouvé Sane la première fois. Oh putain, qu'est-ce qu'on est, on est quand même pas loin. Voilà. Ça qui est ce machin. Est-ce que je l'aurais pas Jux? Est-ce que je l'aurais pas Jux? On est d'accord. Oui, oui. En effet. C'est très le snobage. On va sauvegarder tous les 2 mètres, hein, clairement. On va me retaper. Dès que je meurs. Ça, vous voyez comme fait, au fur qu'on a beaucoup de capacité. C'est vraiment bien de jouer. Non mais certains diront que c'est de la chatte. Les rageux diront la chatte. Les passionnés diront aussi. Parce que moi avoir de la chatte, c'est mal me connaître. Du coup on est déjà revenu hein, quasiment. En pratiquant le skill à volonté, nous sommes quasiment déjà revenus. Ça qui me permet de sortir extrêmement bien. Ça me permet en fait de partir de cette zone. Je ne suis plus séquestré. Je peux revenir à partir d'ici. Donc du coup je peux sortir en fait. Quoique ici peut-être qu'il y a quelque chose. On va re-sauvegarder. Je suis dans cette zone, il faut sauvegarder tous les 2 mm. Absolument pas. On va juste faire ça avec le pot de verre aussi. Un suicide. Un suicide de type collectif. Vraiment la plume de Kuro qui est pas mal. Rappelez-vous au début dans le prologue, c'était pas une plume de Kuro qu'on avait, c'était une sorte de feuille. Mais on pouvait quand même planer. Là, on revient tout au début. Hein. On revient tout au début. Putain. Voilà. Voilà. Excellent. Du coup, nous revenons là. Respirer à l'infini sous l'eau, c'est vraiment bien. C'est vraiment cool quand même. Je suis parfaitement sous pouvoir parce que je me rappelle qu'il y a un endroit. Peut-être pas ici, c'est plus. Ouais, c'était là. J'aurais peut-être pu y aller. Cœur là-dessus. Je l'apprends pas, hein, mais. Du coup, par là, je montrerai. Là, si je vais par là, je monte un peu. Je monterai un peu trop haut. Voilà effectivement, on va mieux
qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, on revient là. Et voilà, et là on se regarde. Et on a niqué 20 minutes d'épisode pour rien. Effectivement, oui, effectivement, en effet. Et je vais allumer la lumière parce que je ne vois rien. Du coup, voilà, donc j'ai allumé la lumière, hein, donc je regarde la partie parce que je suis faker en personne. Du coup, non, du coup, je vais peut-être pas faire mon double saut. Du coup, je me disais, je peux peut-être faire ça. Comme ça, je pars de plus haut, mais j'ai plus d'amplitude pour aller à l'autre bout. Voilà, et ça passe tranquillement. Mais oui, ça passe tranquillement, mais c'est un faker. Je tranquillement, je peux. Le brouillard des bois brumeux pouvait troubler même l'esprit. Oh oh, le plus affûté. Pour des 25 FPS, ça a réellement pas le faire. Ceux qui s'égaraient jamais n'en ressortaient. C'est très agréable. On se fait bien accueillir. C'est toujours plaisir. Le bois brume. Hey! C'est que j'étais pas Jux, toi, quand même, non? Je t'aurais quand même pas Jux. Et toi, je t'aurais quand même pas fait ça. En train de prendre la cellule de compétence. Voilà, je peux prendre une dame parce que les ennemis étaient trop près. Une belle tête, toi. Cette lanterne voilée, c'est de sa mèche, je sais, cette mystérieuse brume. Trouvons un moyen de l'allumer. Peut-être y verrons-nous plus clair. J'aurai 24 FPS, hein. Vraiment une strat de qualité. Donc j'adore. Un truc que j'ai pas dit, c'est en fait j'adore glitcher le jeu. Et vu que je suis un chien. Vous savez que c'est THE zone Halloween, hein. J'adore mourir, c'est ce que je voulais faire, mourir, c'était pour donner un espoir au jeu. Je vois pas pourquoi le mec dit qu'il faut qu'on enlève le brouillard, en fait je vois très clair. Oui, il est près de mes ennemis, mais il n'y a pas d'ennemis. D'accord, j'ai eu un FPS, non mais en effet. Non mais c'est... Oui, quand j'ai fait mon lien d'âme, j'ai atteint la barre mystique des 1 FPS. Utiliser la plume de Kuro pour me stabiliser. C'est méga chaud.
tellement jubile. En fait, c'est méga chaud, vous pouvez pas comprendre. En fait, je vais vous expliquer pourquoi c'est méga chaud. En fait, sur clavier, c'est Shift. Et entre Shift et les touches directionnelles, il y a un tout petit écart. Pas grand chose. MDR. Genre, c'est immense, hein. Il faudrait limite de la mana, je n'ai plus. Mais je suis où? Il me faudrait la pierre carte, si je ne vois plus rien. Oh merde! Ok, donc ça part. Ah d'accord, ça part dans ce type-là. What the fuck? J'ai pris la pierre et il s'est passé quoi? Mais il était pas là lui avant. C'est sérieux que ça a changé la map? Par la brume, mais c'était pas là avant. Ils se perdirent dans les bois. Mais je suis fou. C'est une lanterne. Je suis au début. Je suis en mode mort. Bloqué avant. Attends, non, c'est pas ça. La torche, elle était donc ici. Si nous la portons à la lanterne voilée, peut-être nous montrons-t-elle la voie. Quand il en faut 4, j'en ai 2. C'est une lanterne. Non, c'est une lanterne, mais je ne comprends pas. Explique. Non mais on... Non mais je suis fou. Il y a des trucs qui apparaissent sur le chemin, nous sommes d'accord. Et là ça bouge. C'était pas là avant. J'avais pas dû sauter. Je suis au début. C'est méga bizarre, mais... La mer. En fait, c'est méga chaud. Ouch. J'avais sauvegardé ici, heureusement. Mais ça se passe comment? Genre ça bouge. C'est bizarre. What the fuck cette zone? On va s'arrêter en près de 10 minutes.
Je crois que je dois m'en servir pour remonter. Ça va être un pas. Bon, ça va être un pas. Genre, c'est déjà un pas, mais en fait, pour descendre. Cristaux de vie rapidement. Et pas que de la vie en fait, de la mana. Mais ça bouge, on est d'accord. Non, je suis mort. Et du coup, je reviens là. Ah! Putain, je dois tout me retaper à chaque fois, c'est chaud. Quand même hard le chemin que je me tape. Oh, j'étais sur chi, genre pour remonter. Si je dois taper ça, genre vu le nombre de plantes, je pense qu'en fait c'est genre pour m'aider pour monter, mais genre je veux pas remonter. Ça va. Je me suis passé, je suis encore full life. Ça va. Ok, je vais tout là. Ah, vous êtes sérieux? Ta mère, je vais pas y arriver hein. Je vais réellement pas y arriver. En fait c'est chiant parce que je vais à chaque fois faire un sans faute. Vous, j'arrive à chaque fois à vous cancel, c'est cool. Fou. C'est chiant et long. Je reviens à faire ce gars. La plume de courant m'aide bien là-dessus. Je me suis fait spam. J'étais full life en fait. Oh my god. Partout. C'est affreux. Oh non. Donne-moi de la vie. Foutez ma gueule. En fait là, vous voyez, il y a un cristal de mana là-bas. Voilà. Ça fait vraiment
zone. Avec un pouvoir. Désolé si vous entendez les bruits dehors, c'est qu'il y a un gentil mariage. T'as dû escalader les montagnes pour voir le col chagrin lorsque la torche, son frère faiblit. Elle tombe dans la brume. Où elle est Ségara. Hélène Ségara. Oh, du coup, on va s'arrêter après avoir récupéré ce pouvoir, je pense. J'aime pas cette zone par rapport à l'autre, j'aime pas elle. Je trouve qu'elle est bien sans être bien. Mais elle est bizarre. Putain, la potence grimpée pour les appuyer sur le temps sur shift lorsque tu es contre. Arrête avec ton shift! Maintenant je peux rester appuyé et je peux avancer. D'accord, et je peux monter sur les toits. Faut croire que non. Ouais. Mais non. What the fuck. Bon, on verra ça la prochaine fois les amis. Allez, on va se regarder ici. Moi je vous dis bye bye tout le monde, c'est Standard. Bye bye.